Amis internautes qui suivent cette émission, cette tranche intitulée « Lobato Yoka » qui passe sur Congo Dialogue. Francine Ngembe, Congo Dialogue, donc aujourd'hui Lobato Yoka yo. Nous sommes descendus sur la rue Marie-Christine, la rue commerciale Marie-Christine. Qui ne connaît pas la rue Marie-Christine à Laken? Tout le monde connaît. Mais vous, est-ce que vous connaissez le numéro 5 de Marie-Christine? Si vous connaissez le numéro 5, vous allez y trouver cette jolie dame qui s'appelle Mireille. Mireille, ça. Coucou, c'est bien moi, bonsoir, je vous salue. Nous sommes sur la rue Marie-Christine, rue commerciale. Ah, c'est commercial, hein, faut bien préciser. Oui, c'est commercial. On tient une petite exotique avec un petit coin. Un petit coin resto pour manger. Vous avez le tout, le tabalondre, les petites choses, le malangois. Voilà quoi. Et ici. Il n'y a pas moyen de se tromper. Au numéro 5, donc rue Marie-Christine. Surtout quand vous voyez, oh, il y a Pembe Boye, Borozango, où on a été, au numéro 5. Il y a du tout. Il y a des aléas exotiques à la congolaise. Il y a des économistes, n'est-ce pas? Voilà, la monsieur Baksate, il a tout dit pour moi. Et comment? Alors, moi, de toute façon, il n'y a pas que l'exotique. Il y a un petit coin, pour prendre un petit pot, pour manger. Voilà, on regarde le match où les gens se réunissent pour pouvoir parler en regardant la télé, les informations, écouter la musique, manger un petit rien, les maboquets. Vous voulez savoir ce qui se passe au pays, venez regarder tout en mangeant. Et voilà, en mangeant. En fait, c'est comme une famille, en fait. Nous, c'est pas un café, mais on se tient comme une famille. Ah, ben, comment un petit coin exotique et un petit coin convivial. Voilà, alors, c'est juste ça. J'avais donné rendez-vous à un grand musicien, un grand artiste du Congo, un doudou. Grand artiste, un grand guitariste qui est passé dans, chez les grands. Il s'appelle Dodoli. J'avais donné rendez-vous ici. Je permets quand même que je lui ai donné rendez-vous à ce coin ici. Je le fais découvrir. Tout justement, il vous attendait. Il est là depuis longtemps. Dodoli. Oui, Dodoli. Monsieur Dodoli vous attend, monsieur Thierry. Ah, d'accord. Ok, on va voir Dodoli là. Chers amis internautes, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes ici, comme vous avez vu tout à l'heure, chez Mireille. Donc c'est l'endroit où vous voulez vous détendre, prendre un petit peu, papoter, avoir de la bonne ambiance, ambiance conviviale. Donc venez chez Mireille, c'est la rue Marie-Christine, rue commerciale bien entendu, à Laken. Il y a un métro hein, au-dessus là-bas, Boxtal, vous descendez, il y a des trams 93, 62 qui passent à côté. Alors, Dodoli est là. J'espère que Bato Boyebi Dodolité, en tout cas, est très grave. Dodoli est passé par tous les grands orchestres. C'est un grand artiste, un grand guitariste. En tout cas, Dodoli, est-ce que tu connais la jeunesse Nayo, place au Banda?
Après, je suis parti de là. Madilou est parti de son groupe Mayopi pour faire. Ah, Bakuba Mayopi. Pour faire son, le sien. En fait, Mayopi, c'est qu'il y a Bango, il y a Bazagébélé. Mais il y a quelqu'un au salon où il y a. C'est comme on est. Ça coûte comme un groupe en haut. Tozala Guinaé, Madilou. La logue pas Madilou. La question, si à ta pata, orchestre Mamboulay, Mamboulay à l'ombre. La longue à mon perro. Quelque chose à la siata pata, Tozala Guinaé. La longue sous la siata pata, la quête à. La Minzoto. La bête à Minzoto. La longue à Minzoto. Na ba mise tabe olukanga ba ba bipoli la victoire principale. Ah, on peut taper la victoire principale. Na bipoli ta ba ni victoire principale na ba tofla pa ba pauvre tofla na ba ba safro et tout ça etc. Na longwana ti na inokota koti na na antichop. Na stukas pardon, koti na stukas. Avec l'ita bendo. Ça c'était après, avant ou après, après ce, après soliste ni parce que dans Stukas il n'y a eu que des grands solistes. Yo, où y a qui après Nan? Après Bongo Wende. Après Bongo Wende, ah oui oui c'est vrai c'est vrai. Quand Bongo Wende qui vive la musique, yomto, on a renforcé Stukas. La vitesse, hein, vitesse. Na Stukas, si le copain a longué, na qui ni ni qui, na qui pas un anti-choc. Ah, grand-père, anti-choc. Mais bah, sous, nous avons reboyé, en tout cas, Wabelo Ramnougo, je crois. Wabelo, dans anti-choc. Wabelo Ramnougo, c'est là, on a anti-choc, oui. Ah, c'était. Nous avons eu. Nous avons eu. Ah, d'accord, d'accord. Et puis, bon, et Poto, c'est là où ça s'est terminé. Oui, toi, comme d'habitude. Okay, c'est comme d'habitude. Comment ça se passe ici avec mes musiciens? Les choses n'ont pas été. Voilà, il y a eu dislocation. Moi, je suis resté. Je n'étais pas le seul à rester. On était nombreux. Il y a plusieurs musiciens qui sont restés ici. Voilà. Matigali. Ah, mais je travaille. Je travaille dans la filière libre. Je suis libre. Évidemment. Comme ça arrive souvent, donc. Tu es arrivé ici et il y a eu des séparations et vous êtes resté ici. Et tu fais ta vie ici avec madame et les enfants. Et tu fais la filière libre. Donc, de temps en temps, on te voit dans des groupes jouer dans Bruxelles et dans toute l'Europe. Mmh, tout à fait. Mais ce pourquoi on t'a invité, c'est parce qu'on a appris que tu es entré en studio et tu as fait sortir un album. Oui. J'ai sorti un album de 5 chansons. Dans les titres, je peux vous les citer, les titres. Ouais, quels sont les titres? L'album s'intitule, l'album lui-même il s'intitule Tonette Kalou. Qui ça? Tonette Kalou, ça c'est l'album. C'est le nom d'une personne, ça, non? Tonette Kalou, c'est mon épouse. Hein. Ah, madame Tonette Kalou. Ah, c'est le nom de madame. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ah bon. Et puis, il y a d'autres titres. Bon. Évidemment, c'est Queen Mother, comme on dit. Queen Mother. Ça pouvait pas manquer, évidemment. Il faut qu'il y ait à la pète. Nous aimons y aller, madame. C'est bon. Après, la deuxième chanson, c'est Un pot pourri dont j'ai essayé de rassembler les chansons que j'ai jouées. Dans toute ta carrière? Pas dans toute ma carrière, dans Antichoc. Ah, dans Antichoc. Alors, les chansons. Rien que les
la guitare, la partie de, donc, les partitions que toi tu as jouées, les partitions, oui, les motifs des guitares, tout simplement, pas les chansons comme telles, mais les motifs des guitares et tout, des guitares. Voilà. Et la troisième chanson, ça sera Elengaliba, là. Et la quatrième, Agosuna. Agosuna, ça c'est. Donc, c'est quoi Agosuna? Agosuna, c'est Agosuna, ça veut dire. Ça, en Kimbala, on appelle Agosuna femme. Alors, c'est une chanson que j'ai chantée en Kikongo. En Kikongo, de Bandundu. Hein. De Mpang, de Mpang. Oui, voilà. Kikongo de Mpang. J'ai nommé la chanson Agosuna. Agosuna. Oui, on appelle les femmes là-bas Agosuna. Agosuna. On a Ago, quoi. Oui. Nzele, Momi, tout ça. C'est ça. Oui. Vous avez compris, à retenir, hein, hein? Oui. Vous les Agosuna qui regardez. Alors, et puis encore la dernière chanson. La dernière chanson, ça sera Émotion. Ah, alors, Émotion. C'est... Pourquoi Émotion? Émotion, c'est-à-dire. Un monsieur qui se sent abandonné par son épouse. Qui ah, Bissouana. Enfin, non je blague. Un monsieur qui se sent abandonné et qui, après avoir se baladé, tout ça retourne à la maison, trouve toutes ses affaires dehors. La femme a jeté ça dehors. Oh. Fini, décision. La femme décide de ne plus. Qu'il ne mette plus patte. Il a chassé le monsieur. Il a chassé son mec. Voilà. Émotion. Émotion. Ah, mais voilà. J'ai chanté ce que j'avais vu. Hein. Ah, c'était une histoire vraie. C'est une histoire, oui, c'est une histoire vraie que j'ai vue. Je suppose que c'est ici en Europe, hein, ça c'est sûr. Mais oui. Ouais, pour la Kinshasa, au voir. Et banana, c'est pas vos voisins, la famille, au Mongo, au Zoug, ils s'en vont bien. Ici en Europe. Oui, ouais, il paraît que ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Voilà. Et le monsieur, c'était toute émotion. Oui, c'est toute une émotion. Il s'est retrouvé en plein hiver, vous imaginez, il est dehors, avec tous ses bagages, il ne sait pas où aller. Et il vient. Il revient chez sa femme pour dire, voilà, mais si tu ne veux pas m'ouvrir la porte, eh bien, jette-moi même... Une couverture Non, un pagne. Ah. Ah, d'accord. Pour que je me couvre les côtes, parce que... Il fait très froid, j'ai risqué de mourir Je vois. Et la femme, évidemment, n'a pas voulu. La femme était stricte, elle n'a pas voulu. Ah, vous, ouais. Les femmes. Enfin... C'est une histoire vécue, mais bon, ça n'arrive pas sur Dieu. Heureusement qu'il y a des bonnes femmes et des bons hommes aussi. Alors, c'est pour ça que tu as fait cette chanson. Ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à faire une chanson concernant cette histoire. Ah, d'accord. Vous savez, donc, c'est pas courant, un grand guitariste qui fait sortir des albums, c'est pas très courant. On connaît des chanteurs, ils font comme ça, mais des guitaristes... Avec les doigts de fée qu'il a, mais il a fait sortir cet album, dont de 5 chants. Et c'est déjà sur le marché. Oui, sur le marché. Oui, tout à fait. Oui. Et nos amis internautes, où est-ce qu'ils peuvent trouver ce. Un Fnac déjà là C'est où? C'est. À l'abattoir, juste en face, là où l'on vend des. Ah, dans différents coins de Bruxelles, dans les endroits où on vend. Oui, oui. Les bonnes choses, la bonne musique. Oui. Juste à l'abattoir, en face, je ne sais pas le numéro, m'échappe. Bon, en face de l'abattoir, en face de la porte de l'abattoir, il y a un magasin. Un magasin qui vend les disques là. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est là. Ah, c'est, en tout cas, bon, vous avez entendu. Allez-y. Alors, à part ça, quel message vous avez encore à nous donner? Ben, j'essaie d'échanger. Il faut que les gens notent aussi que... Je n'ai pas que joué à la guitare, j'ai aussi chanté. Donc, j'ai chanté à plusieurs fois. Vous imaginez ça? Vous saviez qu'il chantait? Je savais chanter depuis très longtemps, mais je ne pouvais pas. Bon. Personne ne m'a donné cette occasion parce que j'étais déjà célèbre à la guitare. Et on ne pouvait pas s'imaginer que. J'ai cette intelligence. Je n'ai pas une voix d'ange ou quoi. Non. Mais j'ai quand même cette intelligence de chanter, c'est-à-dire que j'essaie bien me positionner sur la note. Ah, tu as commencé dès le départ ou bien c'est ta force d'être dans les orchestres, ça? Non, mais je savais déjà chanter depuis. Hein. Ah bon?
Et des fois, quand il y a Musset qui n'arrivait pas. Mais je ne m'admirais pas. Le problème, c'est que je ne m'admirais pas. J'étais. Mais tu n'as pas été au fond, quoi. Oui, mais, non, je me sentais comme si je ne savais pas, alors que je savais. Mais lorsque je suis resté ici seul, travailler en filière libre, j'étais obligé de chanter moi aussi. Mais lorsque j'ai chanté en studio, mais tout le monde m'a dit, viens le combat, a dit, mais voilà, mais tu as... Même Lita Bembo, il était là à côté, il a dit, mais... Oui, voilà. Et ça m'a donné du courage à chanter. Ah, oui, mais quand tu passais dans différents orchestres là-bas, des fois, il y a des musiciens qui, y a des musiciens qui tombent malades ou quoi. On ne t'a jamais demandé, mais Dodoli, Yobi Patronat, Kumbelat, ça t'est jamais arrivé? Non, pas du tout. Ah bon? Mais, tu restais dans ton coin là, tu ne voulais pas montrer aux gens que tu savais chanter. Des fois, je chantais dans des variétés. Hein. Avant que le concert ne commence, dans des variétés, chanter des chansons comme ça. Qui n'étaient vraiment pas des chansons, par exemple, des chansons françaises. Ah, chansons. D'accord. Ah, ouais. J'essaie de chanter. Ça c'est une bonne chose. Moi, je ne savais pas que M. Dodoli était aussi... il faisait de la chanson, en tout cas. Ça, je ne savais pas. Et la preuve, il vient de faire son album avec 5 chansons. Mais dans cet album, qui t'ont accompagné voilà. dans ton album, là. Il y a Tonette Kalou, c'est Vielo Kombé qui a chanté. Lokombe, tout le monde le connaît, je ne vais pas le présenter ici. Oh, Lokombe. Et puis, dans Émotion, c'est moi et Malage. Émotion, c'est moi et Malage. Et il y a une autre chanson, Émotion. Oui, ça, c'est avec Malage. Avec Malage. Et il y a une chanson que j'ai chantée moi-même. Ah. Et j'ai doublé les voix. J'ai fait laquelle? La deuxième, la première voix et tout. Le ténor, le deuxième, etc. C'est tout ça. Oui. C'est quelle chanson? On sera très intéressé de écouter ça. En fait, là, je suis en train de. Je crois. Voilà, c'est Elengi Alibala. Elengi Alibala. Mmh. Ah, ça, c'est justement ça, c'est au souvenir en pensant à votre femme, sûrement. Non, pas du tout. Ah. Non. Ah non? Non. J'ai chanté. De toute façon, vous avez déjà un Elengi Alibala, donc. J'ai chanté pour tous ceux qui. Oh, vas-y, il va bala, auto, bala, auto, auto, pas les divorcés, hein. Et la fameuse chanson Queen Mother, qu'est-ce qu'elle en a dit, madame, quand elle a entendu cette chanson? Sa chanson? Sa chanson, madame. Elle était très contente, elle ne s'y attendait pas. C'était une surprise, hein, pour elle. Je ne lui avais pas dit que je faisais une chanson, que je vais la chanter, je fais chanter pour elle. Et elle a entendu le jour. Donc le jour où je suis venu, j'ai fini le travail en studio et j'auditionnais ça à la maison. C'est là qu'elle a entendu que je la chantais. Elle était super contente, quoi. Mais voilà. Eh bien, dis donc, Jacques Ponda, est-ce que vous voyez que M. Dodoli a eu ma garage, chanson spéciale? Petit Nara Patrick Ponda, Claude Lola, il faudra Toyokaye, il faut qu'on somme en face de l'abattoir. Et la première chanson, Emeli Mosinaye, et une chanson, Yemouati Bava Nyoso. Eh bien, dis donc, ça, on ne s'y attendait pas. Alors, en tout cas, c'était vraiment la minute consacrée à Loba Toyokayo, consacrée à Dodoli. Un tout dernier mot, un message auquel on n'a pas pensé, vous vouliez en parler? Mais je crois qu'on a parlé de... Parce que, Okoyemba, nous disons, moi, Sinayo, on va le faire passer. On va faire un playback et après cette émission, on va t'écouter. Ben, parfait. Je reviens. Alors, je vois que Fidèle, c'est qui? Fidèle Patron, c'est qui? Fidèle Patron, c'est des jeunes qui me suivent, C'est mes fanatiques. Hein. Ah bon? Fidèle Patron, il est où? Il est en France, ah, donc, à Paris. Il s'appelle Fidèle Patron qui? Ma cible. Ah d'accord. Et j'en profite pour dire bonjour aux personnes qui te regardent. Oui, je vais dire bonjour à Dodo Bello. Dodo Bello, c'est un ami, vous connaissez, je crois. Ah bon? Dodo Bello, oui, je crois. Tout le monde connaît Dodo Bello. Donc, Dassi Makia dit à Kinshasa, bonjour.
Il y a Roger Mata aussi, il ne faut pas l'oublier, Roger Mata. Roger Mata, oui, Roger le Mata. Sac, on a... Il y a Jojo. N'oublie pas Dassi Makiadi non plus. Makiadi. Dassi Makiadi, oui. Donc Dassi Makiadi, je n'ai pas oublié. Oui, oui, d'accord. C'est un ami, Angélie. Quand je parle de Don, il y a aussi le président Don na l'île Tozo Yakuna. Voilà. N'a pas le sac qu'on a. Augusto Manzambi, en France. Il habite en France, il est là. Augusto, yayo. Judith Kalou. Judith Kalou. C'est la petite soeur de ma femme. Ah, c'est Meg. C'est Meg. Yayo, pé. Ok, d'accord. Voilà. Alors, M. Dodoli, merci d'avoir répondu à notre rendez-vous. Na Lobato Yokayo, c'est la tranche du Congo Dialogue. Francine Guémé, bonjour. Et je remercie beaucoup, surtout, à Mme Mireille, qui nous a reçus ici, sur la rue Mireille, ici, dans ce beau cadre. Et puis, il y a l'exotique, vous voulez tout acheter. Venez-y, vous ne manquerez de rien, et c'est un cadre très convivial. Alors, à la prochaine, on va découvrir présentement la chanson, une des chansons de Dodoli, surtout la chanson Queen Mother. Moi, je peux l'appeler Queen Mother. Donc, c'est encore quoi le titre? C'est Tonette Kalou. Tonette Kalou. Regardons Dodoli dans ses œuvres et apprécions. Thank you.
dialogue.com. Congo dialogue.com.